La reine s'appuiera plus que jamais sur les superstars royales, le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge alors que la société traverse une nouvelle crise royale, les experts ont noté que le duc et la duchesse ont été contraints d'assumer davantage de fonctions royales après le retrait du prince Andrew de ses fonctions officielles en 2019. Le duc de York a rendu ses parrainages royaux et ses titres militaires cérémoniels à la reine plus tôt cette semaine alors qu'il se prépare pour un mandat légal. Bataille contre l'accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre. Madame Giuffre a accusé Andrew d'abus sexuel, affirmation qu'il nie avec véhémence. L'absence d'Andrew de la rotation royale pourrait voir Kate et William prendre une partie du relais alors qu'ils se préparent à diriger un jour la monarchie. En 2021, la famille royale a rempli 2065 fonctions en 2021, marquant une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. L'analyse de la chercheuse canadienne Patricia Treble a montré que William est le seul membre de la famille royale à avoir rempli plus de fonctions en 2021 qu'en 2019, à 227 ans. La duchesse de Cambridge a assisté à un événement de moins qu'en 2020, mais a vu la plus petite baisse de service par rapport à 2019 avec 115 événements.